Ça se présente comment ces journées, David? Écoute, on n'avait pas des pluies pendant longtemps et là en Iran, on est bien servi. Mais je pense que c'est bien pour la nature, on va dire ça comme ça. Journée de route, on va essayer d'avancer le plus possible. Il fait 6 degrés et on a à droite et à gauche la neige. Et beaucoup de brouillard aussi. Bon, ça fait déjà toute la journée qu'on roule, je n'arrête pas de te voir. J'aimerais bien qu'on trouve un spot pour dormir, mais ça n'a pas tout facile parce qu'en fait, avec la pluie, c'est tout à bout en fait. On essaye de sortir un peu de la route principale, mais il y a pas mal de boue. Ouais. On va voir. Et là derrière. Tu penses quoi? Enfin, on est arrivé dans une ville où on voulait organiser plein de choses, mais aujourd'hui, c'est pas possible, c'est vendredi. Et donc du coup, on en a trouvé un sort de parc d'attractions, ou je sais pas, c'est un truc pour se reposer. Mais du coup, il n'y a personne parce qu'il pleut et on va rester ici. Je pense pas qu'on va trouver, c'est déjà un peu tard, donc on reste ici. C'est pour passer la nuit, c'est tout. Ok. Finalement, pour être une ville, on a dormi assez bien, c'était très calme et c'était assez agréable. Voilà, on se réveille dans ce petit parc sympa familial avec les cygnes. Et en fait, ce qu'on voit aussi très bien aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de nuages et de brouillard, là, tu vois, la montagne avec la neige. Donc ouais, on est vraiment en montagne, donc ça fait la première fois qu'on la voit la neige depuis très longtemps, je pense depuis la Géorgie même. Donc c'est cool, donc aujourd'hui on va un peu organiser des trucs, donc on va faire quelques courses et après on va continuer notre voyage vers l'intérieur de l'Iran. Télésiège. Juste un, il est là derrière. Il n'y a plus trop de neige, mais il a l'air très basique, hein, on va dire ça comme ça. Mais moi, ça veut dire qu'ils font du ski ici. Hein. On a fait les plans, on a fait les courses pour les prochains 3 jours. Et la seule chose qui nous manque maintenant, c'est trouver un endroit pour prendre de l'eau. Mais tu as enclenché l'alarme. Quoi? Tu as enclenché l'alarme? Non. Voilà, on a tout, hein. Ouais. Surtout, il y a la pression, c'est cool. Qu'on peut remplir avec les tuyaux, c'est toujours plus simple. On va faire encore quelques kilomètres de route aujourd'hui parce qu'il s'annonce la pluie pour les prochains jours. Donc on va profiter un peu pour voir tous ces jolis paysages. Tu sais, l'Iran, c'est le seul pays ou le premier pays que j'ai vu où il y a les panneaux de circulation qui t'annoncent la vitesse avec un maximum de vitesse pour la journée et un maximum de vitesse la nuit. Que c'est logique, non? Mais j'ai jamais vu ça avant dans aucun pays. Si je vois un panneau comme ça, je le filme et je montre.
On a trouvé un spot juste avant le coucher de soleil. Joli, hein? Donc on va rester là sûrement une nuit, peut-être un jour. Je pense qu'on va se prendre une douche demain. Et après, on sera prêt pour la prochaine ville qu'on veut découvrir, Yazd. Allez, on va préparer la cellule et on va se faire à manger. Bon, ce soir, on va utiliser cette aubergine parce qu'elle va se pourrir sinon. Ouais, elle est déjà un peu pourrie. Pas grave. Et tu vas faire quoi ce soir? Devine. Qu'est-ce que je vais faire avec les patates? Une tortilla. Cool. Ouais. Bon, ça va être une tortilla un peu spéciale puisque elle va avoir un peu d'aubergine dedans parce qu'on ne voulait pas la jeter. Okay. Les patates, elles sont un peu vertes déjà, donc c'est bien qu'on les fasse aussi. Avec ou sans oignon? Et évidemment avec oignon. Quelle question. Bon, je vais espérer que je ne vais pas trop pleurer. Parce que les derniers oignons qu'on a pris étaient bien forts. Hein. Oh, elles étaient bien piquantes ces oignons. Mais moi, je suis en train de pleurer. On va mettre 5, hein, parce que ça va être une grande tortilla. 5? Ouais. Quand même, hein? Quand même! Ça a l'air très bon! Génial! On aime bien faire cette tortilla. Parce qu'en fait, c'est hyper cool, tu trouves partout ces ingrédients. Je veux dire, patates, oignons, œufs, c'est vraiment trop simple. Et c'est très économique. Ouais, c'est très économique en plus. Bon, c'est vrai qu'en Iran, on a dépensé pas du tout grand-chose. Hein? Non, mais cette fois-ci, surtout, on a, je sais pas, on a dépensé pour un mois, ben, ça va être à peu près 100 euros. Ouais. Parce que ça, c'est le truc basique pour nous, c'est l'internet, c'est l'essence et c'est la bouffe. Ouais. Et franchement, ben, l'internet, c'est pas grand chose non plus, c'est genre 1 à 2 euros pour 15 gigabytes. L'essence c'est rien. Très bon marché. La bouffe, c'est voilà. C'est très bon marché aussi. Donc et en plus, ce mois-ci, c'est Ramadan, donc on n'a fait aucun resto. Donc, ouais. Donc on a économisé là-dessus aussi, où on n'a pas pu dépenser. Ouais, c'est vrai, c'est très bon marché. Voyager en Iran, mais en plus c'est cool aussi en général parce qu'il y a des pays qui sont plus chers et des autres qui sont plus bon marché et ça fait une espèce d'équilibre. C'est cet équilibre. Ouais, tout ouais. Ce qu'on a dépensé au Koweït en plus, ben, on l'a économisé en Iran, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Et en plus on a des paysages et des personnes incroyables donc ouais. On ne peut pas se plaindre. Elle est bonne. Hein? Elle est très bonne. J'aime beaucoup. Quand il y a l'œuf comme ça qui est un peu cru comme ça, ouais. Ouais, j'ai exprès fait un peu plus épais, ouais. Pour que l'œuf reste un peu cru. C'est trop bon. Trop bon. Elle est froide? Écoutez, elle est froide, ouais. On va dire, c'est temps qu'on répare ce chauffe-eau. Parce que déjà dehors, il fait genre, on va dire 13 degrés, et l'eau est pas beaucoup plus chaude. Mais on a dit que c'est bien pour la circulation, non?
Alors Neus, cette expérience douche avec l'eau froide, avec le chauffe-eau cassé. J'ai dit bravo à toutes ces personnes qui arrivent à prendre une douche d'eau froide quand il fait froid. Mais tu l'as pris là? Oui, mais exceptionnellement, mais j'essaie de faire tout ça, les respirations, de penser que c'est bien pour moi, mais ça ne me donne pas de plaisir la douche comme ça. Même si je l'ai fait, je suis proud of myself. Oui, moi aussi, je suis fier de toi. mais je suis congelée, j'ai même séché les cheveux que je ne fais pas normalement parce que j'avais trop froid. Et là, tu es tout propre. Là, je suis trop propre, pas trop temps. Il y a encore froid dans la bouche. Ça me prend encore un peu de temps pour gesticuler. Les premiers gouttes sont déjà tombées. Et là, on évite un peu plus les montagnes hein, depuis la dernière fois. Ouais, on avait déjà quitté cette spot. Et tu penses pas que c'est complètement différent quand tu visites un pays par la deuxième fois? Quand c'est la deuxième fois que tu visites un pays? Ah, ouais, clairement. Moi, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus tranquille en fait. Parce que quand tu rentres dans un nouveau pays, il y a quand même toujours un peu ce stress, un peu une certaine tension qui est là. D'une part, de voir comment ça se passe, mais aussi envie de découvrir. Et dans une deuxième fois, tu es complètement relax, en tout cas pour moi, non? Je pense que c'est différent parce qu'on a vécu ça aussi en Géorgie, en Arménie, que on a fait, c'est les deux pays où on est revenu après d'être là. Et ça change beaucoup la façon de voyager parce que quand on arrive dans un nouveau pays, tu veux tout voir, tu es un peu attente, même s'il n'y a pas vraiment, mais tu es quand même un peu là où tu veux le voir, tu veux découvrir. Mais tu veux regarder tout, tu veux comprendre comment tout ça marche. Et la deuxième fois, c'est plutôt plus tranquille. Et à la place de regarder tout le temps des endroits plus jolis pour visiter et tout ça, c'est plutôt ici. Tu te laisses aller. Et tu te laisses aller et tu te laisses surprendre. Tout ce que tu vois, c'est bonus, c'est genre gratuit. Exactement. Donc c'est une sensation assez agréable. Il y a une autre chose que c'est aussi très cool de quand tu visites les pays la deuxième fois, c'est quand tu les fais dans une période que c'est pas les mêmes. Nous on est venu ici en septembre, c'était l'automne, et là c'est le printemps, et c'est cool ça. Et en Arménie, en Géorgie, c'était la même chose. On a vu plutôt l'hiver et l'été. Bon, l'hiver, la fin de l'hiver et l'été. C'est très cool, ouais. C'est trop bien. Bon, printemps, oui, c'est printemps, mais là en l'occurrence, il fait 6 degrés, il pleut. Et à gauche, il y a de la neige. Donc, on est encore tôt, on va dire, on est encore tôt en printemps. Ça a l'air petit, mais peut-être que... Attends, non, je pense que c'est trop petit, ça. On passe pas. Non, on passe pas, David. Wilma, si nous amène ici. Mais on passe pas du tout par là, il n'y a aucun sens. Demi-tour. Non, mais il met d'ailleurs qui vient, donc je... Ah là. Ici en Iran, tout le monde klaxonne, il te salue. Ouais. Mais il y a aussi un truc que je me rends compte, en fait, c'est que l'utilisation et la symbolique du klaxon. Parce que chez nous, en Europe, le klaxon, tu l'utilises soit c'est vraiment parce qu'il y a un danger ou quelque chose où tu dois avertir, il y a urgence. Ou sinon, je l'associe plutôt à des trucs négatifs. Tu klaxonnes quelqu'un parce qu'il a fait une connerie ou je sais pas quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis qu'on a quitté l'Europe, le klaxon est plutôt associé à quelque chose de positif. Donc tu entends beaucoup de klaxons, mais soit c'est pour dire bonjour, soit c'est pour, c'est pour faire un signe, mais plutôt un truc associé positif. Et moi, j'ai toujours pour le réflexe, si quelqu'un nous klaxonne, c'est pour nous dire qu'on fait un truc pas bien. Et les Iraniens, ils font quoi quand ils rentrent dans un tunnel? Et les Iraniens, quand ils rentrent dans un tunnel, ils klaxonnent parce qu'ils trouvent ça cool dans un tunnel, parce que ça donne l'écho et ils klaxonnent. On arrive à Yazd. Tu sais quoi? Qu'est-ce que je viens de lire? Non. Que cette ville, c'est l'une des plus anciennes du monde. Ah ouais? C'est ça que je viens de lire. On a déjà vu Uruk, il y a aussi Ur. On a vu beaucoup des villes les plus anciennes du monde. Ouais. On va dire qu'elle est très vieille. Exactement. Ouais, on va découvrir ça ces prochains jours. Hein. Ouais. On a trouvé cette place ici à côté d'Ampal. Hier, il a plu toute la journée, donc on a profité pour ressortir les boilers
et enlever cette pâte que David il avait mis, mais qu'en fait ça sert à rien parce que ça n'arrive pas à boucher la fuite. Donc on enlève cette pâte et en plus on a profité pour voir avec le téléphone l'option macro pour voir où est-ce qu'il y avait cette fuite, et on a vu qu'il y a en fait deux trous, deux mini trous, et c'est par là que toute cette eau elle part. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ici, on profite dès qu'on est en ville pour voir si on trouve finalement quelqu'un qui peut nous réparer ça. Et on va aussi pour profiter pour faire des machines à laver et toutes ces choses qu'il faut faire. Mais aussi, on va visiter la ville. Parce qu'apparemment, c'est une ville assez belle, donc on va la découvrir ensemble. Regarde. Alors ça, c'est littéralement la tente de toi. Il faut pas des moyens, il faut des bonnes idées. Voilà, on peut venir demain matin la chercher. À 8h du matin, elle est prête. Trop bien. Donc là, la prochaine mission, ça va être trouver un soudeur. Et pour se faire comprendre, je vais déjà chercher sur les traducteurs Google comment on va les dire. Et on va télécharger une photo d'un soudeur. Et comme ça, ils vont bien comprendre, non? Tu penses que c'est une bonne idée? Oui, c'est très bien. Chercher une photo d'un soudeur. Fait le tour au quartier, mais ici c'est un peu les mécaniciens à camion, et là on a trouvé un atelier qui répare les je sais pas comment ça s'appelle, pour refroidir les camions, et il a un poste à souder et il va nous le faire, je pense. C'est bon, hein, ce petit truc. C'est bon. C'est le monsieur juste à côté, le magasin juste à côté qui nous a invité en chai pendant qu'on attend. Il faut boire le thé, tu prends le sucre dans la bouche, tu peux plus boire comme ça. Bon, on espère que c'est la dernière étape là, parce que il nous a soudés et ça semble de tenir. Donc on va le réinstaller le boiler et normalement ce soir on aura de nouveau tout un système qui fonctionne. Espérons. On a déjà fait toutes les démarches qu'on devait faire, donc on va profiter pour se promener un petit peu par la vieille ville de Jaffa. Armoire derrière la cabine téléphonique. Bien, bien. Elle est tout chaud. Tu penses que ça marche encore? Je sais pas, oui. Elle est jaune. C'est une ville très belle parce que la plupart des maisons elles sont faites comme ça avec de l'argile et c'est tout bas, il n'y a pas de grands bâtiments. C'est cool. Tu vois cette couche de terre et paille qu'ils mettent dessus. Et ça fait comme un crépi et ça donne ça, c'est hyper beau.
On a vu que c'était une belle ville, etc. Mais franchement, cette vieille ville, elle est incroyable. Il y a partout des petites rues, des boutiques, des hôtels, des hostels. C'est hip et c'est vraiment fait hyper beau. Hein. Moi, je suis vraiment étonné. C'est une ville magnifique. En plus, il fait beau. Il fait agréablement chaud. C'est trop bien. Bonjour. Bonjour. Justement, maintenant qu'on commence à parler, il y a le monsieur qui coupe l'herbe, mais je pense que ça va s'entendre. Ouais, je pense que ça va s'entendre. Bah, hier, on a passé une super journée à Yazd. C'était vraiment une découverte. On ne s'attendait pas trop à ça, même si on savait que c'était une belle ville. Mais c'était super chouette. C'est juste qu'on a, à un moment, on a dû arrêter parce qu'on avait trop faim. On avait trop faim. En fait, c'est toujours le ramadan en Iran et en fait, tous les restos sont fermés. Tu ne peux pas manger dans la rue. Donc voilà. Finalement, on est rentré à la cellule, mais tu sais quoi? On a réinstallé les boilers. On ne sait pas encore, on ne peut pas chanter Alléluia, parce qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas encore si ça marche ou pas. Il faut faire les tests. Mais apparemment, il n'y a plus de fuite. Et les circuits, il est de nouveau complet. On verra à moyen long terme. Oui, bah, on attend. Hein. Moi, je pense qu'il faut attendre à dire rien, parce que chaque fois qu'on dit une chose, après, ce n'est pas résolu. Bref. Tout ça pour te dire qu'on va quitter cette ville. Et on va reprendre la route. Ouais, exactement. Donc on te dit à la semaine prochaine. Ouais, ciao.